Nous avons basculé dans la trajectoire climatique. Bonjour tout le monde! Au sommaire de la Terre. Aujourd'hui, nous avons Michael Gosselin pour nous parler des vélos. Madame Angèle Pinault-Lemieux pour parler de Jim Apprentice pour nous parler de projet tramway. Et Monsieur Daniel Desrochers pour nous parler de projet de sauver le Bois-Saint-Nils. Bonjour tout le monde et merci pour nous écouter sur les ondes de Sequoia. Je m'appelle Jackie Smith et vous écoutez la première émission de la saison automnale de À nous la Terre. Ça fait quand même une boîte, ça fait depuis le mois de mars, puis il y avait beaucoup de changements. Il y avait évidemment le COVID, il y avait l'été, il y avait plein de choses qui se passaient, le déconfinement, le début de deuxième vague potentiellement, et sans mentionner le fait que notre studio ici au Sequoia, ils ont déménagé des studios de Saint-Roch. Nous sommes maintenant situés dans le Vieux-Port du Québec, proche des projets des Urban Culture dans le Vieux-Marché. Et j'aimerais souhaiter le bienvenue à mon premier invité, puis mon camarade, puis compagnon, Michael Gosselin. Salut, Michael. Oui, ton compagnon des ondes. C'est ça. Donc, ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi, ça va bien? Ça va super bien. Je suis bien contente d'être de retour ici. Ça m'a manqué un peu. Ça m'a manqué un peu, pour vrai dire. Par contre, j'ai une émission de télévision qui s'en vient. C'est un projet qui est un peu dans la même ligne de À nous la Terre. Ça s'appelle Green Horizons. Et c'est tout en anglais. Donc, on a des personnes comme les invités qui récurrentes de notre émission À nous la Terre qui vont faire des interventions vidéo. Et ça va être monté puis diffusé par Bell. Donc, c'est un projet, je suis très fière. Oui, et ça m'a redonné le goût de continuer avec l'émission de nous la Terre. Puis, on a des chroniqueurs vraiment craqués pour revenir. Comme toi. Oui. Et toi, oui. Monsieur le pédalier, on ne s'est pas vu beaucoup depuis le confinement. Le confinement, oui. Donc, je suis ici normalement pour parler de vélo, normalement. Mm-hmm. Effectivement, le vélo cet été a été très occupé, donc j'étais très occupé. Mais pour faire changement dans ma vie, je ne vais pas parler de vélo. Non. Je vais parler d'autres choses. Je voulais revenir au tout début du confinement. Uh-huh. Il y a 8 ans de ça. Non, pour de vrai, seulement 6 mois. Il y avait une crise au Québec, c'était le papier de toilette. Tout le monde se courait sur le papier de toilette, puis uh-huh. Après le papier de toilette, ben, ça a été le vélo. Ouais. Mais je reviens au papier de toilette. Le papier de toilette, donc à l'appartement, ma copine et moi, on a décidé de fournir l'appartement et aussi mes voisines d'en haut, deux bidets. Fait qu'on a trouvé bidets. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi un bidet? Un bidet, c'est un petit instrument qu'on ajoute à sa bol de toilette pour avoir un nettoyage par eau de notre popotin après dépôt. C'est très agréable et puis ça économise vraiment beaucoup de papier toilette parce que depuis ce temps-là, on n'a pas resté de papier toilette depuis qu'on l'a installé. Okay. Ma copine a découpé des vieilles serviettes, là. Pas les serviettes de piscine, mais tu sais, quoi que j'aurais aimé ça avoir un petit bonhomme sourire comme pour essuyer, mais des belles serviettes un peu confortables, agréables, mais qui commençaient à déchirer. On les a découpées, on a fait un petit couture, on a fait des tests de savoir de grandeur, de savoir la forme idéale, tu sais, 3 carrés, 4 carrés, tu sais, cette genre de questions-là. OK. Donc, puis quand on a défini que le nombre de carrés qui nous correspondait le mieux à nous deux, ben on a découpé des serviettes jetables. OK. Fait qu'on prend le bidet pour s'essuyer, en ville, le gros. Et puis après ça, on finit avec la serviette de table qu'on jette dans une tête d'oreiller, dans un panier rosé à côté de la toilette. Wow! Puis, donc, c'est comme une toilette zéro déchet. Une toilette zéro déchet.
propre. Et puis au début, on n'avait pas aussi de l'eau froide. Est-ce qu'il y a des bidets chauds, des bidets avec seulement de l'eau froide? On a pris le bidet avec seulement l'eau froide. Puis à date, c'est sûr qu'on a juste vécu l'été, à date, on n'a pas trouvé que c'était trop froid. Ajouter l'option chaleur de l'eau chaude, ça faisait qu'il fallait faire couler l'eau plus longtemps. Faut que l'eau chaude arrive. Fallait faire passer un fil électrique ou de l'eau chaude directement. Donc, des modifications de toilettes qui n'étaient pas possibles dans le confinement. Fait que juste l'option eau, ça s'installe super bien. Mes locataires l'ont fait elles-mêmes avec des vidéos qu'on avait faites pour elles. C'est deux, trois... Tu as fait des vidéos? Oui, pour... Ça ressemblait à quoi exactement? Ben, c'est une vidéo de quelqu'un qui enlève le couvercle puis qui remet le bidet, okay, et qui démonte une hose d'eau avec une clé, okay, et puis il y a comme un Y qui se fait, qu'une qui va vers la cuve et l'autre va vers le bidet. Ah, OK. Donc, c'est vraiment très simple. Et puis, fait que mes locataires ont pu la faire eux-mêmes avec le support de... Pour l'installation, tu veux dire? Tu as fait une vidéo pour l'installation, pas... Oui, pour l'installation. Oh, non, okay, pas l'utilisation, non. OK, excuse-moi. Seulement l'installation. J'ai mal compris. on se gagne quand même une petite gêne, hein, Puis est-ce que vos locataires l'ont adopté? Ils l'ont adapté. Puis beaucoup de mes colocs aussi, parce que j'ai plusieurs colocs qui l'ont adapté. Ils n'ont pas adapté nécessairement le serviette réutilisable. Fait que les autres, ils achètent leur propre papier toilette. Mais les locataires ont tout le monde adoré le bidet, même qu'on a des commentaires qu'ils attendent le retour à la maison pour pouvoir utiliser le bidet et non de réutiliser du papier de toilette au-dessus du lieu de travail ou chez des amis, genre, par exemple. Wow, c'est super intéressant. Parce que je me rappelle vraiment au début du confinement, je me suis dit, bon, il y aura plein de comportements qui vont changer, puis c'est justement la question de pénurie de papier toilette. Ça a forcé les gens ça a ouvert les esprits vers les bidets. Moi, j'ai essayé d'acheter des bidets, mais partout où j'ai regardé, c'était en rupture de stock. Oui, nous aussi, ça a été... on a dû attendre quelques semaines avant de le recevoir. OK. Puis j'ai essayé de convaincre mon chum. Il n'était pas très chaud sur l'idée. J'en avais discuté, par contre, avec des amis qui sont d'origine de l'Inde. Puis pour eux, c'est normal. Oui, ça... Puisqu'ils ont dit, si les Indiens, genre de l'Inde, si on utilisait les papiers toilettes, il n'y aura plus des forêts sur Terre. Ouais. c'est juste impossible. Donc, il y a plein de pays, c'est normal d'utiliser les bidets ou les... Oui, les, puis les papiers toilettes, c'est vraiment quelque chose qui est nord-américain, peut-être européen, je ne sais pas. Mais oui, puis même qu'on n'est pas obligé d'aller vers l'instrument, le bidet, puis le bidet s'installe sur la toilette, c'est pas une autre toilette. Une salle à côté, donc c'est pas comme les bidets des Français, oui, en 1864. C'est vraiment de quoi que tu rajoutes en dessous du bol, genre en dessous du petit assis, comme le panneau. Et puis, il y a aussi il y a du monde qui préfère installer une hausse, puis une hausse à cuisine. Là, tu peux chercher, genre, qu'est-ce que tu as besoin, puis d'être plus précis. Puis, il y a aussi cette méthode-là qui existe. On hésitait entre les deux, mais on a choisi le bidet pour... C'est moins de gestion de hausse, puis de visu, puis des affaires comme ça. Mais... Et justement, je me rappelle quand j'étais très jeune, mon père, il vendait les maisons. En fait, c'était sur les terres agricoles dans le Niagara, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Mais dans les maisons modèles de luxe, il offrait les bidets. Mais c'était à part, c'était comme tu disais. Oui, il fallait se déplacer. Oui, c'est ça. C'est comme le moment où tu manques du papier toilette, tu as du papier toilette qui n'est pas agréable. Là. Mais là, tu n'as pas ce moment-là. Tu restes sur la toilette, puis tu. C'est ça, mais on a trouvé ça bien drôle. On a trouvé ça extrêmement drôle, mais en fait, c'est un choix écologique. Puis je me demande s'il y a des personnes qui ont l'acheté, puis l'ont gardé, ou s'il y aura une autre vague des bidets. Je ne sais pas. Je sais pas, mais pour l'instant, nous, on a été très heureux et très confortables d'utiliser le bidet pendant durant tout l'été. C'est à voir avec l'hiver, mais le froid, on le sent vraiment pas pour que ceux qui ont peur d'avoir froid dans ce cas. Super. On va passer à la musique, puis on attend notre prochaine invitée, Madame Angèle Pinault, le mieux de J'ai ma passe. Vous écoutez À nous la faire, le magazine de l'urbanisme et de l'environnement. Avec Jackie Smith.
Qu'enfin je pose les armes, que je m'élance. Oh, je viens, je suis riche à millions. Je quitte les eaux profondes. Je suis riche à millions.
Rebonjour et merci pour nous écouter ici sur les ondes de CKL. Je m'appelle Jackie Smith, vous écoutez À nous la terre. Et cette dernière chanson s'appelait Jamais le paix par Mademoiselle K. Et la chanson avant ça, c'était Riche à millions de Tom Poisson. J'aimerais souhaiter le bienvenue à mon prochain invité, ou ma prochaine invitée, je veux dire, Madame Angèle Pinault-Lemieux, de la directrice générale de J'ai ma passe. Bonjour Angèle. Bonjour. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, merci. Merci pour passer l'émission, pour nous jaser un peu de projet tramway qui a subi vraiment plusieurs changements pendant les dernières mois. Mais juste avant ça, est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi, pour nos auditeurs, c'est quoi votre organisme J'ai ma passe? Oui, J'ai ma passe, c'est une campagne de soutien au projet de réseau structurant qui a été lancé en mai 2019, donc l'an dernier, à la fois par des organismes en environnement de la région de Québec, mais aussi des membres de la communauté d'affaires, des commerçants. C'est une campagne qui s'adresse autant aux citoyens, aux membres de la société civile, qu'aux organisations qui veulent soutenir le projet de réseau structurant, qui veulent montrer leur appui. Donc, à ce jour, c'est plus de 19 000 membres là, qui sont membres de J'ai ma passe, une centaine de commerces participants, puis plus de 15 grands employeurs ou entreprises de la région de Québec là, qui soutiennent le projet. Donc, depuis, je veux dire, depuis juillet, juste avant le BAP, c'est le bureau d'agence publique environnementale, qui allait étudier le projet tramway, il y avait des gros changements du projet. Est-ce que tu peux expliquer un peu c'était quoi? En fait, les projets qui ont les modifications qui ont été apportées sont pas tant au projet de tramway, mais au projet de réseau structurant. Je pense que c'est important de différencier les deux parce que le BAP a porté uniquement sur le tramway. Là, le BAP s'intéresse à la partie sur rail du projet de réseau structurant. Donc, s'est penché vraiment sur la portion tramway. Du moins, c'est là-dessus qu'ils vont produire leur rapport. Les modifications qui ont été apportées en amont à la fin juin portaient sur le réseau structurant. Donc, il y a des modifications qui ont été apportées, par exemple, la partie Tramdus qui devait unir l'Université Laval au pôle d'Estimoville sur Charest principalement, va être transformé en métrobus qui circule en voie latérale. Ce qui fait que ça a aussi modifié les projets de liens mécaniques qui étaient faits sur Charest. Et enfin, la dernière modification qui a été apportée, c'est au niveau des voies réservées dans le nord de la ville et l'est qui sont transformées en voie latérale au lieu de voie centrale. Donc, c'est des composantes qui sont modifiées là, dans leur déploiement. Est-ce que tu peux expliquer les impacts du changement entre le changement d'enlever les trambus et les remplacer avec les métrobus? C'est quoi la différence de capacité et vitesse? Le bureau de projet estime que la différence au niveau de l'achalandage n'est pas majeure, c'est-à-dire qu'elle est de simplement 2 %. C'est sûr que nous, quand c'est arrivé, on a déploré ce retrait-là parce que c'est une offre de service qui était importante pour les gens de Saint-Sauveur, les gens de Beauport. Toutefois, le bureau de projet semble penser que le métrobus, c'est déjà une bonne bonification. Il n'existe pas actuellement de tracé qui fait ce trajet-là, Université Laval-Beauport. Donc, semble estimer que le métrobus va quand même permettre d'apporter une bonification de service dans ce secteur-là, puis estime pas que l'achalandage sera affecté de manière significative, là, selon l'étude qui a été déposée récemment. Est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi une ligne mécanique et c'est quoi l'intérêt d'avoir les lignes mécaniques dans un réseau structurant? Un lien mécanique, le but, c'est d'aller mettre soit un ascenseur, soit un funiculaire. Le mode n'avait pas été arrêté, mais donc à des endroits où on estime qu'il y a un fort taux de déplacement, soit piétonnier, soit cycliste, toute personne à mobilité réduite. Le but d'un lien mécanique, c'est que toutes les personnes, par exemple, qui décident d'aller travailler à pied en haute ville, mais qui peuvent peut-être pas monter l'escalier pour toutes sortes de raisons ou qui veulent pas arriver en sueur au travail, puissent le faire par un ascenseur, un peu comme celui qu'on a du faubourg, ou que les cyclistes qui sont incapables de monter la côte, ben, aient une option pour le faire à des endroits. Donc, c'est vraiment cet aspect de transport actif que les liens mécaniques visaient à couvrir, là. Parce que c'est quelque chose quand même important, la falaise. C'est un empêchement important pour la mobilité active. Puis c'est quelque chose qu'on n'en parle pas nécessairement souvent.
quand on parle de mobilité à Québec? Non, et surtout, c'était pas un aspect budgétaire qui était très important. Il me semble que c'est 22 millions, si je me rappelle bien exactement, les liens mécaniques. En fait, nous, ce qu'on trouve dommage dans toute cette histoire-là, c'est qu'on sent que le budget est devenu un carcan, en fait. On comprend qu'il y a des décisions, on entendait le bureau de projet dire que c'est des décisions difficiles qui ont dû être faites. On parle des éléments qui ont été remplacés ou modifiés. Et on sent que ça fait plaisir à personne. Puis que tout ça est fait parce qu'on a un carcan, on a une camisole de force de budget à respecter. Et ce qui n'est pas le cas ailleurs, faut penser, je pense au REM à Montréal, où on a annoncé au départ un projet de 5,5 milliards, qui finalement aujourd'hui est estimé à 7 milliards. Eh bien, il y a personne qui est venu se dire, oh non, faut absolument respecter l'enveloppe originale. Et surtout, les bonifications qui ont été faites avec les milliards qui ont été débloqués, elles sont significatives. On parle d'une station Édouard Montpetit qui connecte à la ligne bleue et d'une station sur la ligne verte à McGill qui font que le réseau va être beaucoup plus performant, qui va répondre beaucoup plus aux besoins. Donc, nous, ce qu'on trouve, c'est que c'est dommage que, justement, on laisse ce carcan-là budgétaire faire en sorte qu'on coupe ici et là plutôt que d'élaborer un projet qui répond vraiment aux besoins puis aux engagements en mobilité durable aussi. Donc, on sent que tout le monde est pris à faire des décisions difficiles qui, finalement, plaisent à personne. C'est très intéressant. Et maintenant, le bureau, le BAP, ils sont partis pour faire la délibération et le gouvernement provincial, eux, ils ont pas... C'est quoi leur rôle maintenant? Parce qu'il y a des questions de financement, l'argent pour débloquer, pour faire un appel d'offres. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer? C'est quoi? Qu'est-ce qui bug dans tous ces processus-là? Ben, comme vous le dites, en ce moment, le BAP est en train de faire son évaluation. Le mandat s'il prend fin le 5 novembre, le BAP doit rendre à ce moment-là son rapport au ministre de l'Environnement. Il faut dire que le BAP a un rôle consultatif, c'est-à-dire que ils émettent des recommandations qu'ensuite le ministre a le choix de suivre ou pas. C'est évidemment une décision qui est gouvernementale. Nous, c'est clair qu'on a participé au BAP. Je sais qu'il y a de nombreux organismes, des citoyens qui ont participé, qui ont émis des recommandations, des options de bonification qui sont très intéressantes. Donc, on espère que... un, les recommandations du BAP iront en sens et surtout qu'elles seront entendues et recommandées, reprises, en fait, par le Conseil des ministres. Et donc ça va être rendu au ministre le 5 novembre. Ça devrait être rendu public vers le 20 novembre. Donc, on pourrait s'attendre à une réponse là, de la part du Conseil des ministres en ce sens-là à la fin novembre. Pour ce qui est de l'appel d'offres, en ce moment, ce qui a été complété au niveau du projet, c'est l'appel de qualification. C'est-à-dire que les consortiums sont qualifiés. On sait lesquels respectent les règles ou pas. Et la prochaine étape, c'est de donner les outils légaux à la ville pour lancer l'appel d'offres. Donc, les consortiums qualifiés peuvent partir en appel de proposition, se mettre à faire des dessins, des plans financiers, et faire des propositions concrètes dans environ un an à ce moment-là. Et à ce moment-là, on pourra retenir un consortium qui va se lancer dans la fabrication. Ça veut dire qu'aux prochaines élections, les prochaines élections, c'est le 7 novembre 2021. Puis, est-ce que c'est possible qu'un consortium se serait engagé pour faire le réseau structurant ou le tramway avant les élections sont comme en lieu ou est-ce que c'est doutable? C'est peu probable. Avec l'échéancier actuel, c'est peu probable qu'on réussisse. Ensuite, n'empêche que un appel de proposition, c'est un processus sérieux. Il y a des fonds qui sont engagés. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas une signature avant les élections de 2021, ça ne veut pas dire que le projet n'est pas bien avancé. Il faut comprendre que depuis l'annonce en 2018, le bureau de projet a fait une conception préliminaire, a retenu des consortiums, a passé à l'étape du BAP. Donc, on est quand même dans un niveau d'avancement assez sérieux pour le projet. Donc, c'est pas nécessairement que si ça passe pas, on va perdre la réseau structurante pendant les élections si c'est un changement de gouvernement municipal? Ensuite, que les gens décident de parler durant les élections, ils font leur choix. Mais au niveau des procédures, le processus est bien avancé et l'appel de proposition pourra être lancé prochainement, là. Donc, ça veut dire que si les contrats peuvent être signés peut-être pendant les prochaines élections?
À ma connaissance, on n'a pas le droit de... Je pense pas qu'on peut signer un contrat durant les élections. OK. OK, mais merci beaucoup à Angèle Pinault-Lemieux pour faire les éclaircissements sur le projet de restructurant. Angèle, vous êtes la directrice générale de GMAPAS. Merci. Merci à vous. Vous écoutez À nous la terre. Ma mère, je veux m'y marier avec mon bel ami Pierrot. Ma mère, je veux m'y marier avec mon bel ami Pierrot. Il m'a donné un ruban bleu, il a ma mère, il a ma bonne mère. Il m'a donné un ruban bleu, il a ma mère, je le veux. Il a ma fille, qu'en feriez-vous? On dit qu'il aime prendre un petit coup. Il a ma fille, qu'en feriez-vous? On dit qu'il aime prendre un petit coup. S'il prend un coup, j'en prendrai deux. Il a ma mère, il a ma bonne mère. S'il prend un coup, j'en prendrai deux. Il a ma mère, je le veux. Il a ma fille, qu'en feriez-vous? On dit qu'il cassera votre verre. Il a ma fille, qu'en feriez-vous? On dit qu'il cassera votre verre. S'il casse mon verre, j'en casserai deux. Il a ma mère, il a ma bonne mère. S'il casse mon verre, j'en casserai deux. Il a ma mère, je le veux. Il a ma fille, qu'en feriez-vous? On dit qu'il aimerait les dames. Il a ma fille, qu'en feriez-vous? On dit qu'il aimerait les dames. S'il aime les dames, j'aimerais les messieurs. Il a ma mère, il a ma bonne mère. S'il aime les dames, j'aimerais les messieurs. Il a ma mère, je le veux. Il a ma fille, qu'en feriez-vous? On dit qu'il vous casserait la tête. S'il me la cache, vous casserez le cou. Il a ma mère, il a ma bonne mère. S'il me la cache, vous casserez le cou. Il a ma mère, je le veux. Ma mère, je veux m'y marier avec mon bel ami Pierrot. Ma mère, je veux m'y marier avec mon bel ami Pierrot. Il m'a donné un ruban bleu. Il a ma mère, il a ma bonne mère. Il m'a donné un ruban bleu. Il a ma mère, je le veux. Rebonjour et merci pour nous écouter ici sur les ondes de Sequoia. Je m'appelle Jackie Smith et vous écoutez À nous la terre. J'aimerais souhaiter le bienvenu à mon prochain invité, Monsieur Daniel Desroches. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Je suis très content de participer à l'émission avec vous. Monsieur Desroches, vous êtes le porte-parole pour un regroupement citoyen. C'est ça. Pour sauver le boisé Nielsen. Exactement. Porte-parole des Amis du boisé Nielsen. C'est un jeune mouvement citoyen. Nous, on a commencé en juillet. On s'est réunis à quelques reprises pour des activités. On a commencé à 10. La deuxième fois, on était 20. Ce samedi, nous étions 40 pour faire une corvée. Ça n'arrête pas. La mobilisation, vraiment. Il y a un momentum et je pense que c'est la raison pour laquelle je suis ici pour en parler aujourd'hui. Il y a un momentum et après une couverture médiatique là, du soleil cette semaine, on a le vent dans les voiles. Super. Est-ce que vous pouvez expliquer pour nos auditeurs, c'est où exactement le boisé Nielsen? Oui. Le boisé Nielsen, il se trouve dans Pointe-de-Sainte-Foy, dans le secteur du ministère du Revenu. En fait, il est délimité au nord par le boulevard, en fait, par quatre bourgeois, au sud par le boulevard Nielsen. Il est enclavé par l'emprise Hydro-Québec du boulevard P12 d'un côté, par la rue Valentin. C'est un boisé de 25 hectares, c'est grand ça. C'est très large et puis c'est très grand. Et c'est un très bel endroit, encore naturel. Il y a des sentiers, mais c'est encore assez sauvage. Et pourquoi c'est important? C'est quoi le projet qui est proposé? Bon, dans les documents réglementaires de la Ville de Québec, on prévoit un développement, donc c'est une planification urbanistique, on prévoit un développement sur 60 % du boisé Nielsen. On parle d'un secteur en pleine densification à au moins 30 unités par hectare, ce qui fait au moins 500 unités d'habitation à proximité du tracé du futur tramway.
Ben bon, il faut faire attention. En fait, c'est une planification par la Ville de Québec dans ses documents, le schéma d'aménagement, plan directeur d'aménagement, le plan d'aménagement d'ensemble. Mais les élus qu'on a rencontrés hier nous ont dit, attention, là c'est une planification, il n'y a pas de projet de développement résidentiel autorisé ou accepté présentement par la Ville. Il y a des étapes pour tout ça, mais là on comprend que avec la densification qui s'en vient, la pression, elle est bien réelle. Et c'est quoi l'intérêt de raser et boiser au lieu de bâtir sur une friche ou sur un territoire comme le Charret Ouest où il y a déjà comme les vieux... Il y a des raisons et des propriétés. Bon, c'est un boisé qui est à 40% propriété publique, 60% propriété privée. Donc, des gens ont acheté des terrains, des promoteurs. Il y a des grands promoteurs qui ont des terrains. Il y a 7 ou 8 promoteurs qui ont des terrains. Et puis, je dis promoteurs, ce sont des propriétaires. Certains peuvent être des promoteurs. Et après un certain temps, ils s'attendent à ce qu'on puisse les autoriser à faire du développement. C'est ça la raison, en fait. Hein? Donc, mais tant qu'il y aura des arbres, tant que les amis du Bois Nelson seront en dialogue avec la Ville de Québec, on pense que ces arbres-là ne seront pas abattus. Et pourquoi c'est important de protéger ces forêts-là? Pour des raisons sociales, pour des raisons écologiques, pour des raisons environnementales et pour la santé publique. En fait, le contexte, c'est que nous sommes face à un écosystème forestier exceptionnel de 25 hectares. Il abrite les derniers milieux humides non protégés de la haute ville de Québec. Il y a des espèces à statut vulnérables, menacées à cet endroit-là. Il y a 8 peuplements forestiers, dont 2 sont remarquables, donc il y a des arbres de grande valeur. Il y a entre autres une prucheraie historique, une prucheraie qui est bicentenaire. Il y a des pinèdes centenaires, des arbres qui ont entre 150 enfin, et 185 ans dans le Boisé Nelson. C'est un refuge, en fait, de biodiversité. Et puis, vous avez aussi, en termes des oiseaux, plus de 90 espèces d'oiseaux ont été recensées dans les dernières années. Il y a des nicheurs exceptionnels, des paviers de Cooper, il y a des buses. Et là, on comprend que c'est un milieu qui est irremplaçable. C'est un milieu qui est à haute valeur écologique. Puis curieusement, il était dans le répertoire des milieux naturels d'intérêt de la Ville de Québec en 2005. Et tranquillement, il a perdu son intérêt. En 2009, il n'était plus au répertoire. Et là, ce qui reste, c'est 2 petits secteurs de conservation tout petits. On parle de 40%, évidemment. Mais dans les faits, quand on développe, il se fait des effets de lisière, de bordure. La qualité, le boisé se dégrade tranquillement. Il ne reste plus rien que de l'intérêt. Puis on développe tout. Hein, c'est ça qui se produit quand, effectivement, on ne conserve pas un écosystème forestier intégralement. Donc, l'idée, c'est de le conserver intégralement. Et l'argumentaire de « Bien, on va replanter 2 fois l'arbre coupé » C'est parce que c'est pas comparable. On plante des arbres, la ville fait beaucoup d'efforts. Hein. La ville fait beaucoup d'efforts pour planter des arbres, mais on ne peut pas remplacer 25 hectares boisés avec des chicots, avec des arbres de rue. L'espérance des arbres de rue, c'est à peu près 35 ans. Ces arbres-là, dans certains cas, ont 100, ont 200 ans. Des espèces nobles, là on ne parle pas... la ville plante des arbres de qualité, il n'y a pas de doute. Là. Mais là, quand on a des peuplements forestiers remarquables, quand on a des... En fait, quand on dit écosystème forestier exceptionnel, c'est qu'il y a une forêt rare. Il y a un secteur de la Pessière rouge, des épinettes rouges, c'est unique ça, ce secteur de forêt-là. Bon, les forêts qui sont les forêts anciennes, puis il y a aussi un refuge pour la biodiversité. Mais ça, quand on plante des arbres, on ne peut pas replanter ça, on ne peut pas... Si c'est perdu, c'est une perte nette, c'est une perte brute, il n'y a plus rien à faire après. C'est perdu pour les générations futures, c'est perdu pour nos enfants. Et nous, on pense qu'il faut leur laisser quelque chose, et c'est le moment d'arrêter un développement qui, dans ce secteur-là, en fait, il connaît des limites. C'est qu'on va pouvoir intégrer ce secteur, ce Boisé Nelson, à d'autres milieux naturels. Puis c'est pour ça qu'on a une solution. C'est quoi votre solution? Notre solution, c'est qu'en fait, il faut d'abord commencer par conserver intégralement le boisé. Puis ensuite, on peut le joindre, on peut l'annexer pour en faire, en fait, pour faire un parc national urbain en pleine ville de Québec. C'est qu'à côté du Boisé Nelson, il reste 2 autres boisés, les Compagnons puis Marly. Ces boisés-là, ils sont rattachés, ils sont connectés au parc quartier Robertval. Ce parc-là est lui-même connecté juste en haut de la falaise à la plage Jacques-Cartier à Sainte-Foy, Cap-Rouge. Ce secteur-là est connecté au sentier des Grèves qui nous mène à la promenade Samuel de Champlain. On a là tout ce qu'il faut. C'est un endroit qui est unique. On a là des milieux naturels d'une telle qualité que ce qu'il faudrait faire, c'est remembrer ça, en faire un parc national urbain à Québec. Il y a un projet actuellement à la Ville de Montréal. La mairesse Valérie Plante travaille très fort pour le réaliser dans l'ouest de la ville où, effectivement, il y a une pression de développement. La mairesse dit, non, on va en faire un parc national urbain comme celui de La Rouge à Toronto. Les grandes villes présentement se dotent d'infrastructures comme celle-là. Je pense que c'est le moment pour Québec. Et c'est une occasion, avec le Boisé Nelson, de débuter, d'être le premier maillon de ce parc national urbain. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Est-ce que vous avez eu l'intérêt pour le projet d'un parc national urbain?
Ça, c'est en lisant, en fait, ce qui se faisait à Montréal et Toronto que j'en ai eu une idée. J'ai fait apparaître dans le Soleil un texte, le Boisé Nelson au cœur d'un parc national urbain, avec un collègue de l'université. On pense que c'est la meilleure chose, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens qui ont acheté un terrain, là, vont vouloir que, finalement, ils vont vouloir obtenir la valeur de leur terrain. Mais quand la conservation est assurée dans un contexte comme ça, là, il est possible de rendre justice à tout le monde. Il est possible de, plutôt que, comment je peux dire, plutôt que de faire du développement, de perdre ça, là, c'est de l'intégrer à une structure plus grande. Il y a des organismes qui peuvent faire la gestion de ça. À Québec, on a la Commission de la capitale nationale qui fait la gestion de milieux naturels comme ça. Donc, il est possible de mettre en place un projet de ce type-là, en demeurant, évidemment, pour nous, en dialogue avec la ville. Puis moi, je vais être heureux le jour où on va couper ce ruban-là, parce qu'on va avoir inauguré quelque chose d'important, de précieux, de la nature en ville, finalement. Et si les gens veulent s'impliquer avec vous pour protéger le Boisé Nelson, comment ils peuvent se rejoindre avec vous? En fait, c'est ça. Depuis juillet, on a créé une page Facebook. On a produit des documents, on a une pétition, fait qu'on a ratissé des quartiers avec un dépliant, on a balisé des sentiers, on a fait une corvée, et là maintenant, avec la page Facebook, bientôt on va mettre en ligne une pétition, c'est cette semaine, demain ou après-demain. On peut nous écrire à l'adresse suivante, évidemment, un seul mot sans accent, boisenelson@gmail.com, je répète, sans accent, boisenelson@gmail.com. On va lancer cette semaine une capsule vidéo à la défense du Boisé Nelson. Cette capsule permet en 3 minutes 50 de découvrir un joyau de la ville de Québec, une ville qui ne peut pas se permettre de perdre 25 hectares boisés d'une qualité comme celle-là. Je vais vous poser une question bien plate. Nelson, comment on l'écrit? Boisé Nelson, c'est une bonne question. C'est... N-E-I-L-S-O-N. OK, parfait. Donc, ça renvoie à l'histoire de la ville de Québec où Nelson avait justement un domaine dans ce secteur-là. Donc, Boisé Nelson, N-E-I-L-S-O-N. C'est super intéressant votre projet et merci pour nous en parler. On va suivre le dossier de près puis on va partager le lien votre page Facebook et aussi votre adresse Gmail. Et la pétition éventuelle. Évidemment, là, la capsule attire l'attention. Elle est téléversée sur YouTube. Elle va être en ligne officiellement demain. Donc, il va y avoir, les organismes vont recevoir une lettre pour diffuser largement cette fameuse capsule. Elle réserve des surprises. Il faut la voir jusqu'à la fin, 3 minutes 50. Mais les gens sont émerveillés par cette capsule. Donc, vous allez recevoir cette information. Et puis, je vous remercie de m'avoir invité à l'émission, Jackie Smith. Merci. Merci beaucoup, monsieur Daniel Desroches de regroupement des amis de Boisé Nelson. Vous écoutez à nous la terre. Je suis tombé du ciel comme un morceau de lune, comme une mauvaise nouvelle à la une. Je suis tombé du ciel, pas voulu, pas prévu, un accident de l'amour, une bévue. Je suis tombé de nuit, le jour pointait déjà. J'ai marché jusqu'ici, me voilà. J'ai marché jusqu'ici, me voilà. Parle-moi de ton village, garde-moi dans ta maison, allège-moi de mon bagage pour de bon. Je suis tombé du ciel comme un moineau fourbu. J'ai suivi l'arc-en-ciel dans ta rue.
je suis tombé du ciel. Un parachute au dos, j'ai tiré la ficelle. Zéro. Je suis tombé du ciel, des cailloux plein les poches, un arrière-goût de roche dans les joues. Je t'ai demandé là, tu m'as répondu oui. Le reste est une rumeur dans la nuit. Le reste est une rumeur dans la nuit. Oh, parle-moi de ton village. Garde-moi dans ta maison. Allège-moi de mon bagage. Parle-moi de ton village. Garde-moi dans ta maison. Allège-moi de mon bagage pour de bon. Pour de bon. Sur les ondes de Sequoia. Je m'appelle Jackie Smith et vous écoutez Une la Terre. J'aimerais juste parler de, un peu des choses que j'ai aperçues pendant l'été où j'ai eu la grande chance de se promener puis suivi de dossiers de tramway de près. On parle beaucoup de tramway, on parle beaucoup de comment ça va être un projet écologique puis un projet de société par excellence. Par contre, il y a tellement des problèmes avec ce projet-là parce que, je veux pas dire que je suis contre, mais il y avait des décisions, des mini-décisions qui étaient prises pour faire la place à l'auto et le bénéfice pour le tramway, c'est d'enlever les autos. On va choisir les voies de voitures qui sont plus larges pour accommoder les autos et leur faire rouler plus vite. Donc, c'est une chose, puis on fait ça, et on va couper 1700 arbres matures dans les endroits, dans les quartiers centraux où on a besoin de la canopée énormément. On va raser le bois de la Chaudière dans Cap Rouge, qui est juste à côté de IKEA, qui est un grand îlot chaleur, et on parle de ça comme c'est un projet écologique et un éco-quartier. J'ai parlé avec des gens de ce quartier-là, vers le Jambe et la Chaudière, et j'ai pas de problème de mettre le tramway sur les terrains de friche qui existent, qui sont là. Par contre, de raser les boisés qui sont là pour faire les méga-maisons, pour faire les banlieues en ville, c'est inacceptable. J'ai jasé avec des gens qui sont là, qui sont dans ces grandes maisons-là, puis la raison pourquoi ils aiment ce quartier-là, le genre proche de la Kia, c'est parce que c'est proche du boisé. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ça? C'est un paradoxe énorme. Tout le monde veut être proche de la nature, tout le monde veut leur petit terrain proche de la nature, mais on bouffe nos espaces verts. On coupe les arbres, puis on dit de les replanter. Mais on ne peut pas les replanter. Un arbre, un petit arbre de frêne dans une rangée identique dans une banlieue, ça ne remplace pas un hectare carré avec on ne sait pas combien des espèces qui l'habitent. C'est pas mal. Je veux parler aussi des terrains de friche en ville et de concepts de parc. Je travaillais beaucoup avec les gens de Vieux-Québec cet printemps pour préserver les terrains, entre guillemets, de friche pour le parc Cordebois
garde-corps, je veux dire, excuse-moi, ils vont raser les grands arbres aussi dans une île de chaleur pour mettre le gazon, malgré les souhaits des citoyennes. Donc, les combats ne sont pas gagnés, il faut continuer, mais une chose que je peux dire avec toutes les mobilisations que j'ai vues cet été, il y a des gens qui sont tellement prêts pour le changement, ils sont tellement prêts pour un meilleur monde, un monde plus vert, plus propre, plus solidaire, plus petit, plus un mode de vie plus, avec plus de respect envers la nature. Donc, ne découragez pas vous. On est avec vous, puis à la semaine prochaine. Bienvenue à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent partout sur la planète grâce à ckiafm.org. De Bamako, de Bamako à Lévis, de Ushuaïa à Québec. Regarde, mon sourire n'est-il pas évident?